Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre de nos animations organisées avec Émilie Gabriel, ma scropine, et moi-même pour notre invitation créative chez Graffiti Girl. Alors, Émilie a réalisé un junk journal to-do list pour préparer Noël et moi un home déco que vous pouvez retrouver dans une autre vidéo. Alors, je voulais vous présenter ce junk que moi j'ai réalisé dans des tons vert et noir. Donc j'ai pour ça utilisé la Distress Oxide Lucky Clover et la Distress Oxide Black Soot. J'ai également ajouté, pour apporter cette petite touche féerique, petite touche de Noël, de la ficelle que j'avais achetée en mercerie, de la ficelle argentée. Voilà. Et certains tamponnages, pardon, sont réalisés avec la Versafine noire et les autres avec les encres que je vous ai montrées. Et j'ai oublié de vous montrer celle-ci, la cracked pistachio que j'ai également utilisée. Je suis en train d'y repenser maintenant. Voilà. J'ai aussi pris du masking tape de Graffiti Girl que je vous recherche ici. Voilà, il est là. Hein, donc là, j'ai aussi mis ça par endroit. Je vous montre un petit peu. Bah déjà, peut-être l'extérieur, ça peut être sympa. Voilà. Et puis ici l'arrière. J'ai pour certaines découpes réalisées dans du papier métallique argenté et vert. Comme ici, un verre un peu peps qui je trouvais fonctionnait très bien avec la Distress Lucky Clover. Je vous montre l'intérieur. Donc j'ai fermé avec un fin ruban de satin noir. Voilà, donc quand on ouvre, ça se présente comme ça. Moi, je suis venue agrémenter le junk avec des espaces photos dans lesquels je pense mettre quelques photos, par exemple du sapin, peut-être une photo aussi des biscuits de Noël que l'on va faire. Donc encore un espace photo ici. Alors, par endroit, j'ai réalisé des fleurs qui sont embossées sur du cardstock noir. Et avec de la poudre à embosser argentée. Voilà, encore quelques découpes, vous voyez, par-ci par-là avec le papier métallique. Ici, la première partie de ma to-do list de Noël. Décorer la maison, bon, ça c'est déjà fait, donc il y a la petite croix, enfin la petite encoche. Faire des cartes, bon là je suis grave à la bourre. Boire du vin chaud, c'est pas encore le cas, mais j'ai l'intention d'en faire très bientôt à la maison. Faire des manele, donc ça c'est ce week-end pour la Saint-Nicolas. Regarder des tonnes de films cucu de Noël, ben avec le boulot que j'ai, des tonnes peut-être pas, mais on va essayer un petit peu. Atelier créatif déco de Noël avec Candice, ça c'est prévu aussi. La série d'ATC pour les scropines, il faut vraiment aussi que je m'y attelle. Acheter les cadeaux. Bon, pour ma part, ce sera pas mal, je pense, de cartes cadeaux. D'ailleurs, à ce propos, je vous prépare quelque chose concernant les cartes cadeaux. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. De nouveau, un petit emplacement photo. Et ici, donc, dans une pochette.
la suite de la to-do list. Donc les biscuits de Noël, s'émerveiller devant les lumières du sapin, je pourrais déjà mettre une encoche parce que c'est déjà le cas. Rester une journée entière en pyjama, ça j'ai prévu pendant ma semaine de congé. Se reposer un max aussi. Aller chez le coiffeur, ça c'est prévu la semaine prochaine. Écouter plein de musique de Noël, c'est déjà un petit peu le cas. Faire plein de photos pour mon daily December, c'est aussi déjà un peu le cas. Voilà. Eh bien écoutez, mon junk touche à sa fin. J'espère que ça vous donnera des idées pour l'animation d'Émilie. Et puis, j'espère que vous nous partagerez toutes vos petites merveilles sur le groupe des GG Addicts. Je vous dis à très bientôt. Bye bye !